Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur FO24, c'est Chanel Information qui entre là, car on a laissé ça. C'est toujours avec même plaisir. Nous comptons réjouir à chaque fois pour nous porter pour vous toute dernière information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons, ce n'est pas tout moment information, même et des bonnes nouvelles, des fois yo des mauvaises nouvelles, tout, mais nous pas le choix. N'a pas de vous, Jean Saïa. Eh bien, c'est pour la première fois, yon bâtonnier de l'ordre des avocats en fonction de l'arrivée de la mort. C'était la mort de Maître Montferrier Dorval en Haïti pendant l'étape entre la Cali. Individu, yon beaucoup arrivé identifié, nous capables de dire comme ça, t'es mettez et fin dans vie bâtonnier. En pile monté très pessimiste sur une véritable justice ou bien une véritable procès sous question de la mort de M. Montferrier Dorval. Yon l'autre signe en plus qui montre que M. Montferrier Dorval loin pour le tâche de justice, c'est les nous apprendre greffe tribunal premier instance yon cassé, yon pote aller en pile pièce à conviction qui te permettre yon retracer et tout. Et 10 t'es capable de dire, mais qui est-ce qui est impliqué dans la mort de M. Montferrier Dorval? N'a pas rappelé tout, il a été vandalisé quand M. Montferrier Dorval, tout après mettre la ligne, même il a perdu la ville. C'est comme ça badalaye en Haïti. Nous allons éviter de suivre Marie-Suzy Legault lui-même qui t'a plus de détails sur la question. Ça à côté lui-même, il dit ça pas qu'à étonner parce qu'il était dans le dossier à comment il pourrait aller. Pourquoi il y a seulement des CPJ qui a dit et est-ce que M. Montferrier Dorval a une petite chance pour t'ajoindre et indice de CPJ t'es pour élever yo une façon pour poser à lui-même l'état capable d'exécuter. On a le suivre, mettre là lui-même qui t'a apporté plus de précision dans le cadre du dossier ça. Nous avons envoyé cette invitation parce que lundi dernier, à notre grande surprise, nous avons appris une grande nouvelle. Nous vous disons donc que c'est avec une grande inquiétude que nous voyons nos pires craintes se réaliser. Effectivement, le 19 octobre, le Conseil a appris avec consternation la disparition des corps du délit dans le cadre du dossier du bâtonnier d'Orval. Il n'y a pas eu de bruit de serrure. La porte n'a pas été forcée. Le conseil est interpellé pour la facilité avec laquelle les corps du délit ont disparu et constate l'absence totale de mesures pour sécuriser le dossier. Les juges et les greffiers ne devaient pas avoir la mémoire courte. La disparition des pièces à conviction est un fait récurrent dans les assassinats de grandes figures de la société dont la voix s'élevait pour éclairer et servir. Dès qu'un dossier pénal à caractère emblématique se trouve au greffe pénal, la porte est ouverte et le dossier disparaît. Le conseil n'acceptera pas la loi de l'omerta. Il est évident qu'un simulacre de procès est en train de se planifier et cette mascarade se déroule avec la complicité des acteurs du système judiciaire même. Ceux qui ont assassiné M. Dorval œuvrent à corrompre l'intégrité du processus et à assurer que les avocats et la société ne reçoivent pas la justice effective qu'ils réclament. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi. Ce droit à la justice ne peut être exercé lorsque l'impunité est orchestrée dès le début de l'enquête. Sans preuve, le droit est désarmé. Nous espérions des autres acteurs du système judiciaire, des greffiers, juges, commissaires du gouvernement, non pas une partialité parce qu'un professionnel de la justice comme eux a été lâchement abattu, mais l'accomplissement consciencieux de leurs devoirs. Nous savons que le temps est notre pire ennemi. Il faut agir avec la plus grande diligence. Il revient au CSPJ de créer les conditions nécessaires à la réalisation de la justice. Nous exigeons en conséquence que des mesures soient prises afin de diligenter une enquête pour établir les responsabilités concernant la disparition des pièces du dossier. Cet incident justifie encore plus la demande faite par le Conseil au président de la République de constituer une commission d'enquête internationale. Merci, le conseil est là et disposé à répondre à vos questions.
Bon, cause du délire, plus le téléphone. Ok? Nous ne savons pas quand il s'est constitué. Parce qu'à chaque fois, nous demandons est-ce qu'il y a communiqué ou pas communiqué. Ok? Donc, c'est, nous connaissons que ce téléphone, tout acteur que vous arrêtez, qui déprouve des communications avec M. Dorval, qui démontre les liens que vous avez avec M. Dorval, qui j'en vais la tête à passer, et c'est eux tous qui étaient là. Nous, qui s'attrapent, quand la ouvre, vous arrêtez, vous prenez un petit sac. Donc, ça sac noir allé. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, pour du bébé qui est là pour nous, avec Mounzaïo, nous ne sommes pas là. Donc, tout espoir, nous, c'est des CPJ, des liens, lui-même, puisque nous avons une commission obligatoire pour compléter l'enquête là, puisque le rapport que c'est là, son rapport partiel, donc avec l'enquête là, continuons à nous espérer que des CPJ est capable de remonter à tout ça qu'il est bail déjà. Heureusement, le téléphone est dans la base là. Bon, on ne peut pas parler de négligence, parce que tout ça que fait là ou là, même moi, c'est des bails qui sont faits, et son bagage qui gros fait, il faut qu'on prévoit tout ça va le faire. Pour te prendre les dispositions nécessaires pour éviter le fait. Il aurait été trouvé ou ouvert une porte. Ce n'est pas une porte qui est écrasée, ce n'est pas une porte qui est aucun ébat et des fois sur la gaille. Faut que l'on ouvre, ok? Et puis, tu prends le dossier. Donc, tu vas dire son bagage qui passe la riche. Pour ne pas connaître tel côté de tel côté. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça va parler de la civile là? C'est l'entrée pénale là. Donc, il y a les côtés où il y a le dossier.